Salut Internet, comment ça va? La forme, les beaux jours, tout ça. Dites-moi, ça va toujours aussi bien si je vous dis que le rap sera bientôt mort et qu'on ne peut rien y faire? Ouais, j'aime bien casser les couilles aux gens, voilà, quand il fait 35 degrés dehors. Ce monde est cruel, de toute manière. Avant de rentrer dans l'argumentaire, laissez-moi vous poser le contexte. Cette vidéo est à percevoir comme un rapport d'observation saupoudré d'un peu de spéculation. Donc, bien que je déroule la thèse du oui, le rap sera bientôt mort, ça reste quelque chose que l'on ne pourra réellement mesurer que par rétrospection d'ici une petite poignée d'années. Chaque point avancé ici relèvera à la fois d'une analyse sur long terme des habitudes de consommation des citoyens et d'une expérience menée auprès d'un large public d'enfants de la génération alpha. Par cela, entendez l'échec cuisant de l'intérêt porté à un projet rap auprès d'un public né dès 2010, alors que 5 ans plus tôt, leur tranche d'âge se battait pour y participer. Rentrons désormais dans le vif du sujet et préparez-moi vos meilleurs commentaires pour qu'on puisse avoir un vrai échange autour de la question. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'hypothétique mort prochaine du rap. La dernière fois que la question s'est posée, c'était au début des années 2010, lorsque la génération YZ a été en âge de prendre la relève sur la précédente en matière d'influence sur la consommation. Au même moment, le rap peine beaucoup moins à faire sa place, et avec l'essor de la MAO plus l'arrivée d'une nouvelle vague d'artistes et d'auditeurs, le mode 2.0 est activé et une fissure se crée entre ce que nous appelons aujourd'hui la old school et la new school. Bien que des conflits entre les deux aient fait rage et que l'une des écoles répétait sans cesse à l'autre qu'elle était en train de tuer le rap, les deux cohabitaient tant bien que mal, car reliés par un objectif commun, celui de voir la discipline s'imposer à grande échelle. En une paire d'années, ces missions accomplies, l'explosion est exponentielle, on rentre dans des phases d'âge d'or, de moments pivots, de découvertes de grands artistes qui domineront plus tard les charts, etc. Sauf qu'à un moment donné, fin du bullrun. Le rap a gagné sa guerre idéologique, sa marge d'évolution se réduit et la tendance change tout simplement. Tout le monde écoute du rap, tout le monde veut rapper, le rap est hype, le rap crédibilise et le rap crée des liens. Bref, il est pris d'assaut, devient mainstream, et qui dit mainstream dit qu'il se retrouve essoré comme une vieille serpillière par l'industrie du disque, qui étire dans tous les sens ce nouvel art fructueux et en vogue. C'est là qu'intervient la génération alpha. Née dans les années 2010, pour elle, c'est tout à fait normal que le rap domine le domaine de l'art dans les années 2020 et soit partout sous toutes ses formes. Elle le perçoit comme quelque chose de banal et mine de rien relativement vieux et qui est kiffé par les vieux. C'est ça le problème. Quand on est petit, on n'a absolument pas envie d'emprunter le même chemin que celui qui est déjà suivi par tout le monde, et cela peu importe la difficulté que les aînés ont pris à le tracer. Du moment où le vécu n'est pas là, pourquoi y donner une affection particulière? Il n'y a plus aucun enjeu. Mais au final, ce n'est qu'un cycle temporel qui se reproduit. La première génération Z opérait déjà ainsi avec des styles comme la variété, le rock ou l'électro. Arrivés à l'âge du choix et de la rébellion, on les a nextés par envie de nouveauté, de dénicher un style qui nous ressemble, voire que l'on peut s'approprier car justement dénigré par des adultes largués sur le sujet. Et la transition est parfaite pour aborder le deuxième levier, l'impact des nouvelles tendances. Si une nouveauté ne plaît pas pour X raisons aux aînés, elle se fera à coup sûr décrier et discréditer. Or, c'est exactement ces multiples raisons que recherchent les nouvelles tendances visant un jeune public pour s'installer. Et ce dernier aime une chose plus que tout, se sentir différent des générations antérieures. Donc au final, tout le monde y trouve son compte. Constamment dénigré à ses débuts pour ses chorégraphies musicales gênantes et son humour très enfantin, la plateforme voulait absolument attirer à elle la génération alpha, qui n'a ni l'intention de se fier aux critiques des aînés, ni sa plateforme de cœur. Avec son milliard d'utilisateurs, elle réussit son pari et fait pleinement partie de ces nouvelles technologies qui ont institué de nouvelles pratiques, de nouveaux besoins et surtout un nouveau combat auprès de nouveaux consommateurs. Que ce soit les filles ou les garçons, la tendance n'est plus à écrire des textes de rap et les présenter devant ses camarades de classe, que tout le monde soit attentif à cela. Non, ils en ont rien à faire. La tendance est à poncer les mashups populaires sur TikTok pour montrer qu'ils maîtrisent les danses à la mode. Et si le rap prend aujourd'hui les jeunes très indifférents, c'est justement parce qu'ils n'accompagnent que très peu cette mode TikTok. Contrairement à toute la pop étrangère qui, elle, est déjà en train de réaliser des centaines de millions de reprises en challenge pour parfois qu'un seul son. Là-bas, les morceaux rap ne sont quasiment présents que par les titres commerciaux qui vont bien, voilà, à 2 minutes. C'est finalement pas plus extra que les autres genres musicaux. Bien heureusement, un public TikTok est en train de se créer tout autour du délire des couplets ressaucés, et le regard se tourne de plus en plus vers les artistes moins cotés comme Jelly, qui va poser sur du Yuvdi, Younes sur du Jossman, ou encore MKN avec Nahir. Mais à part ça, tous ces petits n'ont finalement aucune facilité à rentrer d'eux-mêmes dans la partie qualitative de l'univers artistique d'aujourd'hui, puisque ces mêmes titres commerciaux sont surexposés sur les autres canaux de consommation qu'ils connaissent aujourd'hui, comme la radio et le streaming. Et encore, ne parlons pas du mépris de certaines personnes des générations différentes au regard de leur goût qui, à y croire, leur sont exclusivement réservés. Comportement très peu productif qui ne fait que repousser les 2010. Résultat des comptes, on a une nouvelle mode lancée par un nouveau réseau social qui répond parfaitement aux envies de nouveaux consommateurs qui feront le monde de demain en triant avec le temps tout ce qui leur paraît banal, voire démodé, dont pour eux le rap, sans que l'on puisse directement leur inculquer de nous-mêmes la passion au risque de les repousser. Après voilà, il serait quand même injuste
de remettre la faute uniquement sur TikTok quant à l'éducation de nos petits frères et petites sœurs qui forgeront la société de demain. Parlons désormais de la fusée Twitch. Leader de la vidéo en direct, Twitch vit depuis 2019 une croissance exponentielle en termes de popularité. Au premier trimestre de 2020, c'était plus de 14% de croissance comparé à celui de l'année précédente. Et en 2021, on passe carrément à un plus 100%, toujours sur un trimestre, hein, voilà. Et si cette explosion est due à plein d'éléments très pertinents dont on reparlera après, il n'en est pas moins pertinent de dire... le lave-vaisselle. Je disais donc qu'il n'en est pas moins pertinent de dire que notre cher ami TikTok a grandement influencé sa hype. Alors ok, on voit ça très rapidement pour ne pas s'éloigner du sujet, mais vous allez voir qu'il y a un rapport. D'une part, TikTok met grave en avant la proximité avec le public par son système de live et la manière de filmer les vidéos dessus, ce qui habitue le public à ça. Et puis qu'est-ce qui fait également des millions de vues sur la plateforme et qui n'est pas de la danse? Les reposts de clips de Twitch. Voilà où je voulais en venir. TikTok a une influence transversale et indirecte sur ce qui est tendance ou pas aujourd'hui. Il suffit que quelque chose matche avec la plateforme pour en bénéficier. Voilà, vous allez me dire oui, mais pour Twitch, t'oublies encore plein de trucs, ça va venir en bonus. Reparlons un petit peu de rap. Bien installé sur leur nuage jusqu'ici, les rappeurs français commencent à comprendre petit à petit qu'il va bien falloir à un moment donné qu'ils rentrent dans la matrice TikTok, à l'instar de Twitch et tout comme leurs confrères de la pop pour se pérenniser. Plus récemment, c'est Jules, SCH et Alonso qui se sont lancés. Le chat, tu fais quoi? Mais bon, ça rame un petit peu à voir ce qu'ils pourraient proposer. Mais si la popularité de Twitch a également doublé en l'espace d'un an, c'est aussi par le biais de deux nouvelles grandes modes qui mangent de la concentration, l'e-sport et le RP. On n'aura jamais vu un meurtre avec autant de complices. Il y a environ 10 ans, les jeux vidéo, que ce soit sur console ou PC, c'était quelque chose qui était perçu comme uniquement réservé aux clichés du geek. C'est ensuite devenu très commun d'y jouer, pour tout profil confondu, sans entrer non plus dans une période de hype, mais depuis, c'est devenu grandiose. Et ça, la plateforme le doit en majorité à la nouvelle image proposée par de nouveaux acteurs comme la quasi-totalité du top 10 des Twitos France, ou encore au level-up d'émissions d'anciens streamers, et l'arrivée également d'acteurs complètement inattendus comme Samuel Etienne, ou encore BFM, etc., etc., et putain, le chat, il m'a niqué. Je ne dis pas que Twitch est en train de frontalement tuer le rap, mais que par son expansion, son rafraîchissement et sa capacité à monopoliser les gens sur de longues heures chaque jour suite au mécanisme du live, c'est la plateforme qui gratte du terrain sur l'attention limitée du peuple, non seulement de la génération alpha, mais surtout de la génération Y et Z, où nous y sommes les plus nombreux. Et à l'instar des rappeurs français qui vont se lancer progressivement sur TikTok, ce n'est pas pour rien que bon nombre choisissent aussi de se positionner sur Twitch. Comme exemple, on a Dox qui stream depuis un petit moment et de manière assez régulière, ou même Val qui s'y positionne par l'intermédiaire d'Echelon et le streamer Anis, ou même par son morceau Gotaga, qui en termes de stratégie était fait pour connecter les deux domaines. Ah oui, j'ai failli oublier parce que ça commence à remonter un petit peu. On avait aussi Al Capote et Joker qui s'étaient ramenés en 2019 sur Radio Sex. Et le point fort dans tout ça, c'est que les 92 000 ont surkiffé ces crossovers entre le gaming et le rap. Ok, j'en ai fini avec toutes les nouvelles occupations qui monopolisent la concentration de notre jeune société. Maintenant, j'aimerais vous proposer l'ultime phénomène qui pourrait tuer le rap à terme, le dump de la musique en elle-même. Quoi de plus accessible aujourd'hui que la musique? Avec l'essor du streaming et ses abonnements mensuels au prix relativement abordable, en 2017, c'était seulement 2% des Français des 18 ans et plus qui disaient ne jamais écouter de musique. C'est clairement devenu l'art que l'on consomme le plus, et pour quasi tout le monde. Or, comme le dit le dicton, l'ami de tout le monde n'est l'ami de personne. En devenant ultra mainstream, la musique est inconsciemment dévalorisée et consommée de plus en plus passivement. D'après mon sondage mené sur Instagram auprès de 1500 personnes, la moyenne est de 2 à 3 heures d'écoute active par jour. Elle aurait d'ailleurs triplé sur cette deux dernières années, et j'ai un échantillon de témoins qui m'ont rapporté y comptabiliser près de 4 heures d'écoute passive supplémentaire, chose qu'ils ne faisaient pas avant. Faisant partie de ces nouveaux auditeurs passifs, j'avoue moi-même m'être surpris en en prenant conscience. Et le truc, c'est que ce style d'écoute majoritaire, puisque on se rappelle, on part quand même sur du 4v2, a grave influencé mon conditionnement quant à mon écoute active. Je m'y sens clairement moins captivé et j'y prends moins de plaisir. En fait, la musique, et surtout le rap qui représente 60% de ma palette d'écoute, est tellement omniprésente dans mon quotidien qu'il en découle une sorte de routine même plus stimulante. Parce qu'ok, on est submergé de sorties H24, diversité, blablabla, mais on a déjà fait le tour de tout en fait. Et c'est l'industrialisation de l'artiste en lui-même qui fatigue. Depuis des années, on nous gave d'interviews où sont dites les mêmes choses, les immersions, c'est des copier-coller, il y a tout qui se ressemble, c'est une recette, une façon de faire, je sais pas vous, mais c'est clairement plus ce qui m'intéresse aujourd'hui. Je préfère avoir le regard tourné vers d'autres métiers de l'industrie qui sont encore dans l'ombre, où il y a encore plein de choses à découvrir. Et la pensée est également partagée au sein de la génération
génération alpha, les enfants nés après 2010, tranche d'âge sur laquelle repose, rappelez-vous, l'expérience initiale. Lorsque le projet que j'évoquais en introduction leur a été proposé, ils étaient tous grave enjoués à l'idée d'être le manager ou le caméraman du rappeur, mais le problème c'est qu'il y en avait que 1 sur 50 qui voulait rapper. Et c'est normal, finalement, tous ces métiers sont encore beaucoup trop dans l'ombre, ont encore plein d'histoires, plein d'anecdotes, etc., etc. Et finalement, ils intriguent et attirent les jeunes en quête de découverte constante. Tout s'explique, bref, conclusion. D'ici la fin de notre décennie, le rap pourrait bel et bien mourir ou au minimum être mis sur le banc de touche. On espère tous que ça ne soit pas le cas, mais malheureusement, ce n'est pas à nous que reviendra le choix, mais aux générations qui suivront. D'ici là, il faut absolument arrêter de laisser le milieu s'auto-saboter et plutôt poser encore et encore des piliers qui, eux, suffiront à laisser l'industrie les pieds hors de l'eau. J'entends premièrement par ça d'arrêter de considérer la niche qualitative du rap comme réservée à l'élite, réservée aux générations Y et Z, mais d'éduquer les petits de manière soft pour que du lien, de l'affect se crée entre eux et le rap. Qu'est-ce que j'entends d'autre aussi? Évidemment, d'ignorer les contenus de type branlette intellectuelle qui dévalorisent plutôt qu'autre chose notre discipline. Les vidéos du type ouais, 10 fruits que PNL aime manger, c'était le contenu Lama Fâché de 2015, et ça n'a rien à faire chez nous. Ah, c'est sûr, ça fait un bel attrape-pigeon, hein, un beau titre, une belle miniature, un beau sujet, un beau nom, et puis voilà, hein, les vues, les sous et tout ce qui va avec. Hein. Ceux qui me suivent sur Insta et Twitter, vous savez que j'écris très régulièrement sur la décadence de notre communauté. Et vous connaissez mon combat et mes valeurs. Mais voilà, fallait que je repasse un petit message sur YouTube. Et enfin, j'entends surtout, parce que oui, voilà, je me suis un petit peu emporté, mais il faut quand même revenir dans le chapitre, il faut accepter que la société évolue sans cesse et que pour perdurer, il faut jouer son jeu, s'implanter sans non plus se mélanger et ne pas attendre le dernier moment pour le faire sous peine que ce soit perçu comme bâclé ou juste cramé qu'il n'y a plus d'autre issue pour le gadjo, quoi, voilà. Parce que bizarrement, TikTok, c'était pourri il y a 2 ans, mais tout le monde a débarqué dessus depuis que les fruits ont commencé à pousser et Twitch, c'était miski, il n'y a que des geeks, alors que maintenant, tout le monde a son setup. Bref. Et si, malgré tous ces efforts, la vie du rap devenait trop compliquée à maintenir sur le long terme. Ne vaudrait-il pas mieux le laisser clôturer son cycle en cédant sa place, tel le veut ce fatal concept de la vie ?